Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont regarder ça, mais je vais essayer quand même. Et puis voilà, ça me permettra de tester l'installation, tout ça. Sachant que, alors oui, j'ai une caméra qui, enfin, en gros, c'est celle du, voilà, coucou, c'est la caméra de mon laptop que je tiens sur les genoux. Donc voilà, c'est pas une installation hyper de ouf. Le son, normalement, j'avais testé avant, ça devrait être à peu près correct, mais voilà, c'est tout à fait possible que vous m'entendiez pas. J'en suis désolé si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, alors juste avant de commencer, donc voilà, je teste le stream sur Tipeee, puisque c'est une fonctionnalité qu'il y a maintenant. Ça passe par YouTube, je crois, en fait. Enfin, oui, même, j'en suis sûr, puisque ça m'a saisir l'URL de YouTube. Et alors,
J'ai vu que du coup, pour la première heure de stream, si vous faisiez un don sur Tip, c'était doublé. Alors, je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, ça doit être marqué en dessous. Voilà. Du coup, bah, en échange, vous pouvez avoir des contreparties. Donc là, j'essaye de montrer à la caméra, mais je trouve. Voilà. Ça, c'est le premier fanzine de la série qui a été diffusée en 2018. Donc, la série Rouge et Magie Noire. J'ai aussi le super merchandising avec des petits autocollants. Donc, je trouve, voilà. Donc, un match, une triplex. Alors, qui ont été imprimés en sur fond blanc. C'était au départ, j'ai voulu sur fond noir, mais voilà, il y a un petit souci à l'impression. Donc, voilà, c'était un peu les bonus que j'espérais. L'idée des autocs, c'était aussi pas forcément d'avoir un truc genre croc d'agar, machin truc, mais plutôt d'avoir des trucs. Des autocollants qui correspondent à l'univers, avec des thématiques féministes, antifascistes, etc., etc. Qui soient cool, et en même temps qui puissent quand même être collés sans force. Enfin, le but, c'est pas de me faire de la pub, c'est plutôt qu'il y ait des autocollants un peu cool, éventuellement qui puissent être collés, etc. Donc pas forcément d'avoir des trucs trop chers à l'impression, quoi, même si pour l'instant, le truc que j'ai trouvé, ça revient quand même assez cher. Voilà, donc l'idée ce soir, ça va être d'essayer de faire de la lecture de nouvelles, sachant que j'enregistre en théorie, alors je sais pas, c'est pareil, je vais tester le fonctionnement de l'installation, tout ça. J'enregistre normalement à côté et peut-être je pourrais récupérer son pour faire une version audio de la nouvelle si ça marche pas trop mal. Voilà. Voilà, on va commencer ben, tout de suite avec la super transition normalement. Donc la nouvelle, c'est Blonde à forte capacité pulmonaire. Alors j'ai choisi celle-là parce que je crois que c'est ma seule nouvelle qui a été éditée dans un vrai livre à l'époque. Je sais plus comment il s'appelle le livre, c'était une anthologie. Du coup voilà, forcément ça veut dire que c'est la meilleure vu que c'est celle qui a eu un aval éditorial. Donc voilà, j'essaie de commencer la lecture en espérant que je vais arriver au bout sans m'étouffer et avoir besoin de papoter, etc. Allons-y, Alonso. Kalia est une elfe blonde à forte capacité pulmonaire. Blonde, c'est indiscutable, même si ses longs cheveux ne sont pas, en ce moment, très propres. Ils en sont pour le moins jaune pâle. Il n'y a donc pas de doute à ce sujet. Elfe, cela se voit moins. En fait, la seule chose qui permet de dire que Kalia en est une, ce sont ses oreilles pointues, mais elles sont en général cachées par les cheveux mentionnés précédemment. Elle n'est ni grande ni mince comme le sont la majorité de ses congénères. À vrai dire, elle est plutôt petite et elle a pris quelques kilos dernièrement. En ce qui concerne l'éblouissante beauté elfique, tout est dans l'œil de l'observateur, mais il faut reconnaître que la plupart des observateurs ne semblent pas si éblouis que ça. Quant à sa capacité pulmonaire, même si sa poitrine est significativement moins volumineuse que la moyenne des femmes adultes, elle est plutôt forte, puisque Kalia entame sa troisième minute sous l'eau et qu'elle n'a pas encore perdu connaissance. Si elle se trouve actuellement sur le fond vaseux de la Malsen, le fleuve qui traverse la ville de Nonry et qui mérite particulièrement son nom en aval de celle-ci, ce n'est pas parce qu'elle a envie de batifoler dans l'eau. La raison à sa présence ici, c'est qu'elle a été jetée d'un pont, pieds et poings liés, attachés à une solide barre en fonte. Et c'est, indirectement, parce qu'un homme bien habillé est venu frapper à la porte de son appartement il y a 2 jours. Lorsqu'il est entré, il a essayé de cacher sa surprise. Il n'a pas, en revanche, tenté de Pardon. Il n'a pas, en revanche, tenté de dissimuler son mépris devant l'impression de misère que lui inspirait la pièce. Kalia avait essayé de transformer son logement en bureau, et avait ajouté une table et une pile de documents qui donnaient un air sérieux. Malheureusement, le lit qu'on pouvait apercevoir derrière ruinait cette impression. C'est bien ici qu'il y a un détective? A demandé l'homme. C'est moi, a simplement répondu la jeune femme. Elle se lançait tout juste dans le métier, à vrai dire. Elle avait été garde avant, mais avait été mise à pied pour avoir désobéi à son supérieur. Elle avait envisagé de travailler à la forge Durfer. Mais on n'avait pas voulu d'elle parce qu'elle était une femme. Alors elle s'était dit
qu'elle allait devenir détective. Même si l'homme la rendait nerveuse, elle était quelque peu soulagée de voir son premier client. Asseyez-vous, a-t-elle dit en passant derrière ce qui lui servait de bureau. L'homme a jeté un regard à la chaise bancale, a hésité un moment et s'est finalement assis dessus. Puis il a retiré son chapeau haut de forme et l'a posé sur ses genoux. Vous n'êtes pas comme je l'imaginais, a-t-il constaté. Désolé, a dit Kaya. Pardon. Désolé, a dit Kalia en s'asseyant à son tour. Excusez le désordre, nous sommes en train de déménager notre local. Bien sûr, c'était un mensonge, mais cela faisait sans doute plus sérieux que on n'a pas de quoi se payer une plus qu'une planche et des tréteaux. Qu'est-ce qui vous amène alors? Je m'appelle Antoine Delacour, a commencé l'homme. J'ai vu l'une de vos annonces. Oui, il s'agit de ma femme. Elle a disparu il y a 2 jours. Kaya a hoché la tête. Je vois. Si elle est partie avec quelqu'un d'autre, j'aimerais le savoir, mais si cela pouvait ne pas s'ébruiter. Je comprends très bien. Monsieur Delacour et la jeune détective ont ensuite discuté rapidement des honoraires de cette dernière, qui se sont révélés plutôt bon marché. Il lui a alors expliqué qu'il voulait qu'elle lui remette un rapport détaillé, quoi qu'elle trouve. La requête lui a semblé un peu étrange, mais elle a accepté. Enfin, il lui a proposé de passer dans l'après-midi à son manoir pour commencer le travail. Kaya a profité de l'avance que lui faisait son client pour sortir de l'appartement et aller faire. Pardon, je suis complètement merdé. On va reprendre. Kaya a profité de l'avance que lui laissait son client pour sortir de l'appartement et aller faire un tour au marché. Avec l'argent, elle a pu se payer de la viande. Après quoi, elle est revenue à son bureau et s'est allongée un moment sur le lit. Une vingtaine de minutes a passé avant que quelqu'un ne frappe à la porte. Kaya attendait cette visite. Entre, a-t-elle dit. La porte est ouverte lentement et une femme aux cheveux noirs, à l'air hébété, est entrée avec une démarche hésitante. Elle s'appelait Nelly. Le moins qu'on pouvait dire à son sujet, c'est qu'elle n'était pas très vive. Elle avait en effet trouvé la mort quelques mois plus tôt. Un nécromancien l'avait ressuscitée, enfin, plus ou moins. La plupart des cadavres ambulants étaient retournés à la poussière après le décès du sorcier, mais pour une raison obscure, Nelly était restée, à défaut d'être vivante, animée. Malgré son apathie, elle devait avoir une certaine volonté de rester dans ce monde. Elle avait erré un certain temps avant de croiser la route de Kaya et d'essayer de la manger. L'elfe avait, par miracle, réussi à avoir le dessus, mais elle n'avait pas pu se résoudre à la tuer pour de bon. Bien sûr, les zombies n'avaient pas d'âme, mais l'église soutenait la même chose pour les femmes et elle trouvait la raison insuffisante pour leur couper la tête. Kaya avait décidé de résoudre leurs différends par la discussion et, de manière surprenante, avait fini par y arriver. Si on considérait que les grognements et les grimaces étaient une forme de discussion, évidemment. Referme la porte, s'il te plaît. Nelly a grogné et a obéi avec lenteur. Comment ça va? Pareil, j'étais à portée à manger, au fait. Nelly s'est approchée du sac qui était posé sur la table et l'a ouvert avec une certaine difficulté, puis elle a dévoré des morceaux de viande crue. Tu penseras à nettoyer le sang après? A demandé Kalia. Bien, a fait l'elfe en se levant. J'ai un boulot discret à mener. Je te laisse, d'accord? Nelly l'a regardé en penchant la tête, avec une moue interrogative. Un type dont la femme a disparu, a expliqué Kaya. Bon, j'y vais? Accompagne, a demandé Nelly dans un râle. Non, reste là, je te l'ai dit. Il faut que ça soit discret. Nelly a fait une nouvelle grimace. Elle ne voyait pas pourquoi l'elfe ne la trouvait pas discrète. La détective a frappé à la porte d'entrée de la villa et attendu un moment. Elle n'était pas à l'aise dans le quartier haut. Elle n'avait pas l'habitude d'être à l'aise dans beaucoup d'endroits, mais ici, dans un quartier chic, c'était encore pire. Elle avait bien l'impression que, si ces gens vivaient dans la même ville qu'elle, ils ne vivaient pas dans le même monde. La porte s'est ouverte sur un valet et elle a refoulé son appréhension en parcourant le jardin parfaitement entretenu alors qu'il la guidait. Elle se sentait habillée comme une clocharde par rapport au serviteur. Ce dernier l'a fait entrer dans la maison et l'a menée jusqu'au bureau de Monsieur Delacour. Le contraste avec leur première rencontre était saisissant. À elle seule, la pièce était 3 fois plus grande que tout l'appartement de Kalia, et au lieu d'une planche et 2 tréteaux, Delacour était derrière un véritable bureau en bois verni sur lequel traînait un encrier en or. Il lui a dit quelques banalités, puis l'a conduite à la chambre de sa femme. Elle était grande, bien rangée, superbement décorée et pleine de meubles chers. Bien, je vous laisse chercher les indices, je suppose. Kalia a hoché la tête et Monsieur Delacour l'a laissée seule.
Elle ne savait pas vraiment par où commencer. Elle était tout de même relativement débutante. Elle a commencé par regarder à l'intérieur des armoires, même si elle ne s'attendait pas à trouver grand-chose. Elle a été surprise de voir qu'il y avait si peu de vêtements. Bien sûr, il était possible que Madame de la Cour ait une garde-robe réduite, mais elle avait un peu de mal à y croire. Ou alors elle était partie avec ses affaires. Kali a ensuite jeté un coup d'œil à la table de nuit et aperçut un bloc-notes à côté d'un ouvrage de poésie orque. Elle a commencé par regarder le livre et a remarqué avec désappointement que c'était une traduction, pas très bonne qui plus est. Elle a donc reposé et s'est concentrée sur le bloc-notes. Elle n'était vraiment pas une enquêteuse chevronnée. Aussi lui a-t-il fallu près de 3 minutes avant qu'elle ne pense à prendre un crayon et à le passer rapidement sur la première page afin de voir ce qui avait été écrit sur la feuille précédente. Le message suivant est apparu. Raymond, mon amour, ça y est, j'ai décidé de franchir le pas. Je t'attendrai dans ta maison d'hiver. Je t'aime. I.D. Kalia en a déduit que I.D. voulait probablement dire Isabelle de la Cour. Elle a trouvé ironique de signer une telle lettre avec son nom d'épouse. Ensuite, satisfaite de tout ce qu'elle avait trouvé, jugeant que ça expliquait tout, elle est allée donner ses conclusions au mari. Celui-ci apparut à la fois affligé par la nouvelle et soulagé. Kaya s'est demandé si c'était parce que sa femme n'était pas morte ou s'il s'agissait d'autre chose. Ensuite, il lui a donné le reste de ses honoraires en lui faisant promettre de rédiger un rapport et l'a fait rentrer chez elle. C'est au milieu de la nuit que Kaya a commencé à avoir des doutes. Elle avait passé une partie de l'après-midi à rédiger le rapport demandé par son client, puis avait décidé de faire un peu de rangement et de se coucher tôt. Elle s'était endormie, mais Nelly l'avait réveillée en rentrant vers les 10 heures du soir. Depuis, elle n'arrivait pas à retrouver le sommeil. C'était peut-être tout simplement dû à un manque de fatigue. Elle n'avait pas eu de réelle affaire à traiter depuis qu'elle s'était lancée, et elle s'ennuyait terriblement. Aussi avait-elle beaucoup dormi les jours précédents. Cependant, elle ne cessait de se repasser cette enquête dans sa tête. Il lui semblait que tout collait trop bien. Kaya ne réussissait jamais rien d'habitude. Pas du premier coup en tout cas, pas sans dégâts. Elle n'avait pas pu résoudre un cas de disparition en un quart d'heure. Vers 11 h, décidant qu'elle ne trouverait pas le sommeil, elle s'est levée, bien résolue à faire disparaître ses derniers doutes. Accompagne, a plus ou moins demandé Nelly. Kaya a hésité à refuser, mais elle s'est dit qu'elle ne serait pas trop de deux pour trouver des indices. Franchir le mur d'une villa, en principe, ce n'est pas très difficile, à condition de s'y connaître un minimum en escalade, ce qui était le cas de Kalia. En revanche, faire franchir silencieusement le mur d'une villa à une mort-vivante est un exercice délicat. L'elfe a finalement abandonné l'idée d'apprendre les rudiments de la grimpette à Nelly et est allé lui ouvrir la porte de l'intérieur. Accessoirement, cela leur permettrait de s'enfuir plus rapidement si le besoin s'en faisait sentir. Kaya espérait que cela ne serait pas le cas, parce que s'enfuir rapidement lorsque l'on est accompagné d'une zombie n'est pas non plus évident. Les deux femmes se sont dirigées discrètement vers la fenêtre de Madame de la Cour. Je pense que j'ai raté quelque chose, a chuchoté Kaya, à moins que ce ne soit notre client qui me l'ait caché. Nelly n'a pas répondu. Ce n'était pas vraiment anormal étant donné qu'elle parlait peu, mais d'habitude elle grognait légèrement pour montrer qu'elle suivait. Kalia s'est retournée et a réalisé que la mort-vivante n'était plus là. « Et merde » a-t-elle lâché entre ses dents. « Nelly, bon sang, où tu es ?» Elle a finalement retrouvé la zombie quelques dizaines de mètres plus loin, à genoux, au milieu du potager. Cela lui a pris un certain temps à cause de l'obscurité parce qu'elle n'avait pas envie de tomber sur un gardien en cherchant son ami. « Nelly » a fait Kalia. « Il faut qu'on y aille. » La mort-vivante a obéi, manifestement à contre-cœur, et s'est rapprochée de l'enquêtrice. Hey, « Hé, une seconde !» a demandé cette dernière. « Tu es en train de manger ?» Nelly était effectivement en train de sucer un petit os. Kalia le lui a arraché des mains. Toute personne autre qu'elle aurait alors immédiatement perdu au moins 2 phalanges. Pourtant, la zombie lâcha ce qu'elle tenait, se contentant d'une grimace boudeuse. Alors, il y a un petit souci là. Pourtant, la zombie a lâché ce qu'elle tenait, se contentant d'une grimace boudeuse. Je m'excuse, je vais faire la correction en direct, parce que c'est un peu le but aussi de sa lecture. Si je vois des fautes, de les corriger. Donc, en l'occurrence, on peut considérer qu'un texte au passé simple, au passé composé, il n'est pas censé avoir un morceau au passé simple en plein milieu. Donc, désolé pour cette petite interruption. Je vais revenir tout de suite à la lecture.
Voilà. On peut reprendre. J'en étais où? Tac, tac, tac. Pourtant, la zombie a lâché ce qu'elle tenait, se contentant d'une grimace boudeuse. Voyons voir, qu'est-ce que ça? L'alpha étouffa un cri lorsqu'il a réalisé que ce qu'elle tenait était un doigt humain. Elle a alors pris une grande inspiration et s'est approchée de l'endroit où s'était agenouillée Nelly, s'est baissée et a vu le reste du cadavre. Le lendemain, Callie est retournée voir Monsieur Delacour. Il l'a fait patienter un moment dans un salon avant de la recevoir dans un bureau énorme. Elle s'est assise. Vous êtes venu me donner le rapport? A demandé l'homme. Oui? Bien. J'ai fait quelques modifications, a ajouté Kaya, sur mes conclusions. Antoine Delacour a froncé les sourcils et a invité la jeune femme à continuer. Je suis parti du postulat de base qui me paraît relativement réaliste, a-t-elle expliqué. C'est que votre femme voyait quelqu'un d'autre. Oui, ce Raymond, sûrement Raymond Dupuis de l'ombre, un sale parvenu. Je ne sais pas, monsieur. En me basant là-dessus, j'ai émis une hypothèse hier, mais il se pourrait qu'elle ne soit pas la bonne. Comment cela? Ne me faites pas perdre mon temps. Les vêtements de votre femme ont disparu, a repris Kalia. Cependant, rien n'indique que ce soit elle qui les ait pris. C'est comme pour le message sur le bloc-notes, il aurait pu être laissé par quelqu'un d'autre, ce qui m'a conduit à formuler une hypothèse alternative. Il y a eu un petit moment de silence. L'elfe a laissé traîner le suspense un peu. Antoine Delacour n'osait pas lui demander de se presser. Cette hypothèse, a-t-elle finalement repris, c'est que vous avez tué votre femme. Ensuite, comment la jeune femme s'est retrouvée au fond de la Malsaine? Une barre de fonte aux pieds, c'est assez évident. Son client était plus grand qu'elle et elle n'avait pas pris d'armes. Elle pensait qu'il se rendrait lorsqu'elle dirait avoir prévenu la garde. Elle se trompait. Kalia est maintenant au fond de l'eau depuis plus de 3 minutes et, même si elle a une forte capacité pulmonaire, l'air commence à lui manquer sérieusement. Elle a invoqué la plupart des dieux qu'elle connaissait, mais on dirait que son sort ne les intéresse pas vraiment. C'est pareil, il faudrait peut-être dire, elle a invoqué la plupart des dieux qu'elle connaît. Désolé pour cette correction en direct. Elle profite de ses derniers instants pour essayer de comprendre l'élément qui lui manque toujours. Pourquoi Antoine Delacour, s'il était le coupable, a fait appel à elle? Et alors qu'elle est sur le point de mourir, elle réalise que c'est assez évident et aussi quelque peu humiliant. Il n'a fait appel à elle que parce qu'elle était assez incompétente pour se contenter des indices laissés sur un plateau d'argent. Elle aurait alors remis un rapport concluant à la fuite. Elle aurait alors remis un rapport concluant à la fugue amoureuse, et Monsieur Delacour aurait été complètement insoupçonnable lorsque, quelques jours plus tard, des voisins auraient commencé à remarquer la disparition de sa femme. Kaya aurait pu ne rien remarquer. Mais non, pour une fois, il a fallu qu'elle fasse preuve d'un peu de zèle et de compétence. Cela se retourne contre elle et risque fortement de lui coûter la vie. Au moment où elle est saisie des noirs, elle voit un couteau descendre du ciel, ou plutôt de la surface. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant l'origine de l'objet que sa présence, qui lui offre une chance de survie pour peu qu'elle arrive à tenir un peu plus longtemps. Elle essaye de l'attraper alors qu'il chute, mais avec les mains liées, ce n'est pas facile, et elle le rate. Le couteau tombe dans la vase. Elle essaye de l'atteindre, mais elle n'y parvient toujours pas. La boue qu'elle a agitée s'est mélangée à l'eau et elle ne voit plus rien. Enfin, alors qu'elle se sent mourir, elle touche quelque chose de dur avec ses doigts. Elle s'entaille légèrement l'index sur la lame avant de trouver le manche, mais décide que ce n'est pas important. Elle se hâte pour se libérer les mains et y parvient en quelques secondes, puis se contorsionne pour libérer ses pieds. Elle finit par y parvenir aussi. Finalement, dans un dernier effort, elle prend appui contre le fond vaseux et remonte vers la surface. La première bouffée d'air qu'elle peut respirer est sans doute celle qu'elle a le plus appréciée au cours de son existence. L'espace d'un instant, Kalia se sent étrangement heureuse d'être en vie. Puis elle se dirige à la nage vers le bord du fleuve, remonte sur la terre ferme et reste quelques instants allongée, sur le dos, à regarder le ciel, un sourire béat sur le visage. Elle remonte ensuite sur la berge, lentement, s'arrêtant parfois pour tousser un peu d'eau. Puis elle revient sur le pont et aperçoit une femme agenouillée, là où se trouvait Antoine Delacour, lorsqu'il l'a fait passer par-dessus bord. Pourquoi tu as mis si longtemps? À résister, lui lance Nelly en se retournant. Kaya remarque qu'elle a du sang sous la bouche. Elle s'approche un peu de la mort-vivante et découvre avec horreur le cadavre d'Antoine Delacour, dont une partie a déjà été dévorée par son ami. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué? Nelly s'arrête de mâcher
et hausse ses épaules. Tu l'as tué, affirme Kaya. La zombie secoue la tête. Tu ne l'as pas tué? Demande l'elfe, sceptique. Suicide? Grogne Nelly, avant d'arracher un nouveau morceau de chair à feu monsieur de la cour. Comment ça, suicide? Il s'est tué? M'a attaqué, répond Nelly dans un nouveau râle. Kaya soupire. Tu ne peux pas manger les gens, proteste-t-elle. Connard, grogne Nelly. Oui, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour le manger, je veux dire. Elle soupire à nouveau. Elle a déjà eu le débat sur l'anthropophagie avec la zombie. Le problème est qu'il est plutôt dur de débattre lorsque votre interlocuteur se contente de grogner et de faire des grimaces. Et puis Nelly lui a sauvé la vie, alors elle ne peut pas trop lui en vouloir, même si elle a mis un peu plus de temps que prévu avant de lui passer un couteau, et si elle ne s'est pas exactement conformée au plan initial en mangeant le coupable. Quand on fait équipe avec une zombie, on ne peut pas vraiment se permettre de faire la fine bouche. Voilà, et donc j'ai fermé la fenêtre, donc ça va sans doute faire des soucis à OBS, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, ça c'était la lecture de Blonde à forte capacité pulmonaire. Alors en fait, ça m'a pris moins de temps que ce à quoi je m'attendais. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est aller prendre quelque chose à boire parce que ça m'a quand même donné soif. Et voir si je peux enchaîner avec une autre. Alors, il faut que je regarde un peu la taille. Voir quelque chose qui prendrait pas plus d'une demi-heure, ce serait bien. Ah oui, je pourrais lire Une leçon d'humanité. Ce qui devrait prendre à peu près le même temps. Du coup, je vais aller juste faire une petite pause. Là, je reviens d'ici 5 minutes. Je vous laisse avec la musique d'un groupe de punk qui s'appelle ABBA. Donc voilà, vous pourrez voir l'adresse. Qui n'est plus en activité, mais voilà, c'était des potes. Thank you.
Voilà, me revoilà. On va pouvoir reprendre. Alors, j'ai dit avant la pause que j'allais lire, je sais plus ce que j'avais dit. Bref, en fait, on va pas lire ce que j'avais dit. Parce que finalement, je me suis dit que Dag versus Bastard, au niveau de la taille, c'était pas trop mal. Et que, par ailleurs, ben, comment dire, je l'aime bien. Voilà. Et que tant qu'à faire, autant lire un texte qui me motive. Voilà. Et juste aussi, oui, si vous avez aimé le texte précédent, si vous n'êtes pas au courant, donc plan d'effort de capacité pulmonaire, il y a l'héroïne Kalia, qui est aussi l'héroïne du roman Pas tout à fait des hommes, que vous pouvez trouver sur mon site crodacœur.fr, et qui est téléchargeable, compris gratuitement, hein, si vous voulez. Donc voilà, c'est pas. Alors vous pouvez aussi acheter la version papier, mais c'est pas obligé quoi. Voilà, donc je vais commencer la lecture de Dyke versus Bastard, qui est un peu une suite non officielle, on va dire, à une autobiographie transsexuelle avec des vampires. On retrouve le personnage de Cassandra et des Hellbitches. Lâchez-moi, cria Cassandra. Je n'ai rien fait. Les mains menottées derrière le dos. Ses pieds traînaient sur le sol, tandis que les deux policiers de la brigade anticriminalité la tiraient vers une camionnette. Autour d'elle se trouvaient d'autres flics en tenue anti-émeute. CRS, garde mobile? Se demanda-t-elle. Elle ne se rappelait jamais comment les distinguer. Il y avait une histoire de couleurs différentes sur leur casque, non? Avance, sale pute! Lui intima un policier. Lâchez-la, lâchez-la! Criaient les manifestants. Il dut y avoir un quiproquo. Car les CRS, ou les gardes mobiles, lâchèrent non pas Cassandra, mais une volée de gaz lacrymogène qui dispersa la plupart des manifestants. Une grenade assourdissante acheva d'écarter ceux qui essayaient encore d'empêcher l'arrestation de la jeune femme. Ou était-ce une grenade de désencerclement? La détonation était assourdissante, en tout cas. Cassandra se promit, à l'avenir, de se renseigner un peu plus sur le matériel de répression policière. Pour l'heure, ça n'avait pas grande importance.
Je n'ai rien fait, répéta-t-elle. Un baquet au crâne luisant lui jeta un regard mauvais. Si t'es pacifiste, pourquoi t'as le visage masqué? Cassandra chercha un moment, mais ne trouva pas de réponse susceptible de convenir au policier. Celui-ci ne lui avait pas lu ses droits, mais elle avait vu suffisamment de séries américaines pour avoir intégré que tout ce qu'elle dirait pourrait et serait retenu contre elle. Elle décida donc de garder le silence. À deux rues de là, une Porsche 911 Carrera était garée le long du trottoir, inconsciente de la menace qui planait sur elle. En effet, un homme au visage masqué de noir était présentement en train de la re... J'ai un peu du mal à lire là, pardon. En effet, un homme au visage masqué de noir était présentement en train de l'arroser d'essence, dans le but évident de mettre le feu à un symbole de la bourgeoisie. Stop, stop! Cria une jeune femme. Haletante, elle rejoignit l'homme au pas de course et s'interposa entre lui et la voiture. C'est la mienne, expliqua-t-elle. L'homme l'examina un instant. Elle portait un costume cravate qu'il associait avec les propriétaires habituels de ces véhicules, du moins lorsqu'ils étaient de genre masculin, mais elle avait également les cheveux roses et des Doc Martens de la même couleur. Quelque peu déconcerté par la situation, il se contenta de demander « Vraiment ?» La jeune femme fouilla un instant dans le sac qu'elle avait en bandoulière. « Ben, j'étais prompte à la revendiquer, non » demanda-t-elle finalement. Après quoi, elle sortit une clé à molette de son sac et explosa la vitre conducteur de la voiture. Le policier força Cassandra à s'asseoir sur le banc à l'intérieur de la fourgonnette, pendant qu'un autre avait attrapé son sac à main et commençait à le fouiller. Alors, voyons ton visage. Cassandra ne comprenait pas cette obsession sur le bandana panthère violet qu'il avait mis sur son nez pour se protéger un peu des gaz lacrymogènes. Après tout, elle avait aussi des gants en dentelle noire qui lui permettaient de ne pas laisser empreinte digitale, et ça n'avait pas l'air de choquer. Et ça n'avait l'air de choquer personne. Néanmoins, elle ne broncha pas lorsque le policier lui arracha le bandana. Celui-ci dévisagea la jeune femme, ayant un air lubrique en regardant sa jupe courte et ses chaussures talons. Ses chaussures talons, ça veut un peu rien dire. Ses chaussures à talons, ça aurait déjà un peu plus de sens. Donc, comme d'habitude, je fais les corrections en même temps, j'en suis désolé. C'est ça, hein, l'auto-édition, c'est. Le texte d'avant, il avait été relu par un vrai éditeur, je crois. Mais j'ai peut-être modifié depuis, c'est peut-être ma faute. Donc chaussures à talons. On reprend. Celui-ci dévisagea la jeune femme et eut un air lubrique en regardant sa jupe courte et ses chaussures à talons. Évidemment, songea Cassandra. La plupart des hommes sont des porcs, mais les policiers encore plus que les autres. Je n'ai vraiment rien fait, vous savez. Elle n'espérait pas convaincre son interlocuteur, mais sa remarque eut au moins le mérite de le pousser à la regarder à nouveau dans les yeux. Il n'y avait pas de petite victoire. Ben voyons. Je vous jure, elle était honnête en plus. Presque honnête en tout cas. Elle avait été on ne peut plus pacifique tout le long de la manifestation. Elle n'avait rien jeté sur les forces de l'ordre, ne les avait même pas bousculées. Elle n'avait rien non plus d'incriminant dans son sac à main, dans lequel l'autre agent était toujours en train de fouiller. Il était donc tout à fait vrai qu'elle n'avait rien fait. Du moins ce jour-là. Si Cassandra faisait bien attention à rester dans les clous de la loi depuis quelque temps, c'était en bonne partie parce qu'elle était toujours soupçonnée d'être impliquée dans les meurtres, entre autres d'un commissaire de police et d'un secrétaire du conseil vampirique. Elle n'arrivait pas vraiment à en tenir rigueur aux forces de l'ordre pour ça. Après tout, elle avait achevé le premier d'une décharge de fusil à pompe et activé le détonateur de la bombe qui avait tué le second. Hey, « Hé, chef, c'est intéressant ça. » La remarque provenait du policier qui fouillait dans son sac à main. Il tenait la carte d'identité de Cassandra et l'attendait à son collègue. La jeune femme lâcha un soupir. Voilà que les emmerdes allaient vraiment commencer. Le chef examina la carte d'identité et arbora un air goguenard, puis se tourna vers Cassandra. T'es un mec en fait? Demanda-t-il. Cassandra leva les yeux au ciel, mais prit sur elle pour rester calme et courtoise. Vos lacrymogènes ont dû vous piquer les yeux. Est-ce que j'ai l'air d'un homme? Je suis une femme trans. Et pour information, sans vouloir vous apprendre votre métier, je vous signale que la discrimination selon l'identité sexuelle est condamnée. Maintenant, je ne suis personnellement pas très heureuse du terme. Elle ne termina pas sa tirade, car les deux policiers présents dans le fourgon avec elle, car les deux policiers présents dans le fourgon avec elle avaient éclaté de rire. Tu sais ce que les gars font aux femmes comme toi en prison? Les guillemets méprisants étaient audibles dans sa voix.
Donc j'ai pas trop fait les guillemets méprisants dans la voix. On va essayer de refaire les guillemets méprisants audibles dans la voix. Tu sais ce que les gars font aux femmes. Pardon. Tu sais ce que les gars font aux femmes comme toi en prison? Les guillemets méprisants étaient audibles dans sa voix, mais Cassandra ne releva pas. Après tout, c'était peut-être mieux que les policiers attaquent sur sa transidentité. Ça voulait dire que son nom ne leur disait rien, et qu'ils ne savaient pas encore qu'il était soupçonné de complicité dans le meurtre d'un de leurs collègues. Ils l'apprendraient de toute façon à un moment ou à un autre, mais elle préférerait que ce ne soit pas quand elle avait les mains menottées dans le dos et les yeux encore rougis par la lacrymo. Je n'ai rien fait, se contenta-t-elle de dire. Ça n'avait rien d'original, elle l'avait déjà répété. Et une fois encore, cela n'eut pas l'air de convaincre ses interlocuteurs. Shade approcha son chariot de la caisse du Brico-Dépôt et présenta ses achats du jour. Une masse, une hache, une scie circulaire qui fonctionnait sur batterie, un marteau et un pistolet à clous qui utilisaient des cartouches à poudre. Elle salua la caissière d'un geste de la tête et lui tendit des billets, avant de faire un petit sourire à la caméra de surveillance. Shade ne pouvait pas parler. D'abord parce qu'elle était de nationalité américaine et qu'elle détestait s'abaisser à parler français, mais aussi et surtout parce qu'elle n'était pas dans son état normal. Shade était en effet une loup-garou. La plupart des jeunes loups-garous peinaient à contrôler leur transformation, mais Shade n'était plus vraiment jeune. Si son apparence physique était la plupart du temps celle d'une femme noire aux cheveux longs d'une cinquantaine d'années, elle avait entre 3 et 4 fois plus d'expérience au compteur, ce qui lui permettait, présentement, d'avoir fait sortir ses poils lupins uniquement sur le bas du visage, donnant l'apparence d'une barbe, tandis que ceux sur le haut de sa tête, qui s'appelaient cheveux sous sa forme humaine, avaient considérablement diminué de taille. Le processus altérait aussi la forme de son visage, ce qui avait ses intérêts pour la vidéosurveillance, mais rendait l'articulation humaine délicate. Heureusement, la caissière ne lui posa pas de questions et se contenta de lui tendre son ticket, que Shade attrapa avec un grognement censé faire office de remerciement, après quoi elle récupéra ses achats et se dirigea vers la sortie. Jusque-là, tout s'était bien déroulé. Malheureusement, ce n'était que la partie la plus facile du plan. Assise au volant de la Porsche, Sikkil avait sorti un micro-ordinateur portable qu'elle tenait sur ses genoux et sur lequel elle avait branché un émetteur infrarouge USB. Elle trouvait qu'elle aurait dû pianoter sur le clavier pendant que des messages cryptiques s'affichaient à l'écran, mais elle s'était contentée d'exécuter un des programmes qu'elle avait récupéré sur son disque dur, au cas où il lui servirait un jour. Maintenant, elle attendait juste que ça fonctionne. Ça ne lui semblait pas très approprié. Tu sais, fit le pyromane amateur, les voitures modernes ne peuvent plus être démarrées au fil. Il était obligé de crier à cause de l'alarme de la Porsche, qui commençait d'ailleurs à irriter les tympans de Sikkil. La jeune femme s'apprêta à lui jeter le regard dédaigneux qu'elle réservait aux utilisateurs de Windows ou aux personnes incapables de recompiler leur propre noyau, mais elle réalisa qu'il n'était pas tourné vers elle puisqu'il scrutait à la place l'arrivée des forces de l'ordre. Il n'avait donc pas remarqué qu'elle n'était pas exactement en train de tripatouiller les fils de la voiture. L'alarme s'arrêta et le moteur démarra. Sur l'écran de l'ordinateur, aucun message particulier n'était affiché. Le processus était juste terminé. Et le prompt du terminal attendait la prochaine commande. Vraiment pas approprié. Pour la prochaine fois, il faudrait que Sikkil pense à patcher le programme pour y ajouter une animation qui fasse hackeuse professionnelle hollywoodienne. Tu ne m'as jamais vu d'accord, fit-elle à l'homme. Il la regarda d'un air éberlué lorsque la voiture se mit en branle. Cassandra entendit des coups sur la carrosserie de la fourgonnette, puis de nouvelles détonations. Pétards, grenades, de l'intérieur c'était dur à dire. La diversion était néanmoins bienvenue. Depuis qu'ils avaient compris qu'elle était transsexuelle, les deux policiers s'étaient révélés plus que pénibles, faisant tout leur possible pour se montrer à la hauteur du slogan « All cops are bastards ». Il y eut ensuite des cris, de nouveaux coups sur la carrosserie, puis trois nouveaux hommes montèrent à leur tour à l'arrière du fourgon. Deux autres grimpèrent à l'avant, et Cassandra comprit que l'heure du départ était venue, ce qui voulait dire qu'elle serait bientôt dans un commissariat et que ses emmerdes n'allaient qu'empirer. Vous partez déjà? Demanda-t-elle innocemment. Ça n'a pas l'air vraiment terminé dehors. On va déjà t'amener au show, répliqua un des hommes. On reviendra après pour tes copains gauchos.
ou tes potes dégénérés, ajouta un policier. C'était celui qui avait fouillé son sac à main et découvert que le sexe mentionné sur sa carte d'identité ne correspondait pas à son genre. Il avait l'air très fier de sa trouvaille. Cassandra lui jeta un regard mauvais, puis se souvint que cela pouvait être considéré comme un outrage à l'agent. Elle regardait ses pieds lorsque le fourgon démarra, sirène hurlante. Shade attendait, anxieuse, sur le parking de Brico Dépôt. Elle avait repris son apparence normale. Celle qu'elle avait montrée dans le magasin lui demandait trop d'efforts et se révélait vite douloureuse. Elle avait aussi renfilé le blouson en jean qu'elle avait retiré en entrant faire ses courses. Elle craignait cependant que quelqu'un ne finisse par la remarquer, ce qui aurait réduit ses efforts de déguisement à néant. Elle fut donc soulagée lorsqu'une Porsche s'arrêta juste devant elle. Bon choix, fit-elle en américain. Ce qui devrait être good choice ou un truc comme ça. Shade mit ses achats. On va pas essayer de faire les traductions en anglais, tout ça. Je reprends. Shade mit ses achats sur le siège arrière, pendant que Sikil entreprenait de se décaler sur le siège passager. J'ai fait un geste citoyen, un type voulait la brûler. Shade s'installa derrière le volant et jeta un regard mauvais au levier de vitesse. Même si elle vivait en France depuis un bon moment, elle détestait les boîtes manuelles presque autant que parler français. Elle parvint néanmoins à faire s'élancer la voiture sans trop de difficultés. Il avait bien raison. Est-ce qu'un jour les attardés européens vont maîtriser la technologie suffisante pour foutre des transmissions automatiques? Ou est-ce que c'est une autre de vos conneries d'exception culturelle comme le fromage qui pue ou les choucroutes moisies? Ils sont en train de bouger, indiqua Sikil. Shade mit un instant à comprendre qu'elle ne parlait pas des positions dans l'industrie automobile sur les boîtes de vitesse, mais des policiers qui détenaient Cassandra. Fuck a duck, jura-t-elle en écrasant l'accélérateur. Au sud de l'île, le camion-citerne avançait doucement. Perché sur le siège passager, Morgue éprouvait un certain plaisir à regarder les voitures de haut. Elle avait le visage masqué par une capuche, des lunettes de soleil, et un foulard qui ne couvrait présentement pas sa bouche car elle l'avait baissé pour pouvoir fumer. Le lecteur passait motivé de zepta. Morgue n'appréciait pas véritablement les choix musicaux de sa conductrice, mais elle était trop heureuse d'avoir réussi à trouver un poids lourd dans un délai aussi court pour se permettre de la critiquer. C'était Fabienne qui était derrière le volant, une femme corpulente aux cheveux courts d'une quarantaine d'années, ouvertement lesbienne, moins ouvertement loup-garou. Tu fumes, constata-t-elle. Morgue regarda sa cigarette d'un air interrogatif. Elle savait que Fabienne était comme elle accro à la nicotine. Elle n'avait pas pensé que ce serait un problème de s'en griller une dans la cabine du camion de sa pote. Tu veux que je l'éteigne? Demanda-t-elle. Non, je veux dire ta peau fume. Morgue haussa les épaules. Effectivement, la surface de la peau qu'elle avait exposée à la lumière du jour pour pouvoir s'allumer une cigarette commençait à brûler. Ben, je suis une vampire, il fait jour. Ce n'est pas préoccupant? Il y a deux types de vampires, répliqua Morgue. Ceux qui se plaignent de ne plus jamais pouvoir voir la lumière du jour et ne veulent surtout pas exposer leur peau délicate au soleil, et ceux, comme moi, qui ont des pulsions masochistes, j'allais dire des chronesses, mais ouais, ça aussi, je suppose. Fabienne garda le silence quelques instants, le temps de tourner à gauche, manœuvre un peu délicate avec un poids lourd. Des chronesses? Demanda-t-elle après. Webos, bollocks, balls, burnes, couilles, vous n'êtes pas censé être un groupe de lesbiennes féministes? Morgue hésita quelques instants avant de répondre. Je pense pas, finit-elle par dire. Tu sais ce qu'on dit, le féministe n'a jamais tué personne. On rentre pas vraiment dans la catégorie. Je pensais que vous étiez juste une association culturelle maintenant. J'irai pas jusque-là. On fait profil bas en ce moment, c'est tout. Fabienne hocha la tête, pendant que dans les enceintes, Zebda commençait à entonner tomber la chemise. Morgue serra les dents pour ne pas faire de remarques désagréables. Ce qu'on fait là, fit Fabienne, ça rentre vraiment dans la case faire profil bas? C'est une version un peu fluide du profil bas. On fait juste une exfiltration dans le feutré. Le téléphone de Morgue se mit à sonner. Elle décrocha. C'était Sikil. Vous en êtes où? Demanda celle-ci. À sa voix, elle semblait un peu paniquée. Les choses ne se déroulaient peut-être pas comme prévu. Presque en position. Bien. Ouf. Ils ont bougé plus vite qu'on s'y attendait. Sikil raccrocha. Et Morgue rangea son téléphone. Un problème? Demanda Fabienne. Non, au contraire. On ne va pas devoir poroter une heure. Shade conduisait la Porsche aussi vite qu'elle le pouvait. À côté d'elle, Sikil avait raccroché le téléphone. Elles sont presque en place, lui indiqua-t-elle. Elle brancha son téléphone à son ordinateur et se mit à pianoter sur le clavier. Je vais envoyer les keufs au bon endroit.
Elle continua à pianoter sur l'ordinateur, puis prit une inspiration et parla dans son téléphone. Poste de commandement à toutes les unités. Camionnette en panne bloque la circulation rue de Marquilly au niveau rue Jules Verne. Pour accès au commissariat, empruntez côté ouest. Après quoi, elle se tourna vers Shade. Comment j'étais? Demanda-t-elle. On va bien voir. Il se déroute ou pas? Sikkil changea de fenêtre pour afficher la position que relayait le GPS du téléphone de Cassandra. Allez, allez, allez! Shade grilla un feu rouge et manqua de se faire tamponner par un 4x4 qui exprima son mécontentement à un gros coup de klaxon. Elle devait rouler vite, mais elle arriverait dans les temps, à condition que le fourgon qui transportait Cassandra gobe le faux message que venait d'envoyer Sikkil. Yes! S'exclama celle-ci. Shade soupira de soulagement. Jusqu'ici, malgré les écarts avec ce qu'elle avait prévu, tout s'est déroulé à peu près correctement. Il n'y a plus qu'à espérer que Fabienne ne se dégonfle pas. Dans le fourgon de police, les policiers s'étaient mis à raconter leurs exploits virils. Cela avait un peu soulagé Cassandra. Au moins, pendant ce temps-là, il lui avait foutu la paix. Ensuite, à sa grande surprise, elle avait entendu la voix de Sikkil dans la radio à l'avant. Ce qui ne pouvait vouloir dire qu'une chose, que ses amis avaient l'intention de l'extraire de là. Cela paraissait un peu farfelu, vu qu'il n'avait rien fait qui permettait la moindre condamnation. Vu le niveau des boulets qu'elle avait en face d'elle, la garde a vu s'annoncer pénible, mais ça n'aurait pas été sa première. Dites, fit-elle, j'ai une question à vous poser. Ta gueule, salope, répondit l'un d'entre eux. Cassandra persévéra néanmoins. Ça ne vous pose pas de problème, à aucun d'entre vous. Ni d'aller tabasser des manifestants qui ne cherchent qu'à défendre leurs droits, ni le sexisme, ni la transphobie de vos collègues. Il y eut un moment de silence, puis les policiers éclatèrent de rire. Cassandra bricela pour un non. Bien, fit-elle en souriant. Ça me paraissait honnête de vous donner une chance. Elle entendit ensuite un crissement de pneus, le conducteur qui criait, puis il y eut un choc brutal et le fourgon partit en tonneau. Morgue regarda le fourgon rouler, n'attendit pas que Fabienne ait immobilisé son poids lourd pour en sauter. Elle se réceptionna sur ses pieds d'un geste gracile, puis prit quelques instants pour analyser la situation. Le fourgon gisait sur le côté, ce qui lui donnait un peu de temps avant que les policiers ne reprennent leurs esprits. Il y avait juste à espérer que Cassandra n'ait pas trop morflé pendant le crash. Le souci était que Morgue n'avait pas d'armes. Le plan de Shade impliquait d'utiliser d'autres méthodes pour se débarrasser de la flicaille. Mais où était la louve-garou? Morgue fut soulagé en attendant la Porsche approcher, puis s'immobiliser dans un dérapage. Morgue s'approcha du côté droit du véhicule, et Sikkil lui tendit une masse et une hache. Morgue attrapa les outils avec un grand sourire. Ces derniers temps, elle avait privilégié les pistolets semi-automatiques, mais un retour à une façon de faire un peu plus médiévale n'avait rien pour lui déplaire. Cassandra ignora la douleur qu'elle avait à la tête et entreprit à la place de faire passer ses mains menottées à l'avant. Sa position, allongée par terre sur un côté du fourgon, n'aidait pas vraiment les choses, mais elle parvint à se contorsionner suffisamment pour faire passer ses jambes entre ses mains. Elle dut forcer un peu et se faire encore plus mal au poignet que ce que les menottes trop serrées avaient déjà causé, mais elle avait réussi à avoir plus de liberté d'action alors que les policiers autour d'elle n'étaient encore qu'en train de récupérer leurs esprits. À déverrouiller, un autre policier parvint à la faire tomber par terre, face contre sol. Elle reçut un violent coup à l'arrière de la tête et répliqua d'un coup de coude. Elle parvint à se retourner et bloqua un coup de matraque avec son avant-bras, puis réussit avec un geste agile de sa jambe à faire chuter le grand chauve qui lui tapait dessus. Elle réussit à se mettre à genoux sur lui et passa ses mains menottées au-dessus de sa tête, puis tira en arrière. La chaîne des menottes étrangla le policier, qui émit un gargouillement grotesque. Le répit ne fut cependant que de courte durée. Cassandra était pour l'heure seule à l'arrière avec cinq hommes. Cinq hommes, pourquoi je me fais une liaison là? Le répit ne fut cependant que de courte durée. Cassandra était pour l'heure seule à l'arrière avec cinq hommes. Et les quatre autres étaient déterminés à lui faire lâcher prise. Ils ne s'y prirent cependant pas avec une grande intelligence, puisque deux d'entre eux la tirèrent en arrière, ce qui ne fit qu'empêcher encore plus leurs collègues de respirer. Un troisième homme lui envoya un violent coup de matraque sur l'épaule, qui aurait pu lui faire lâcher prise si elle n'avait pas été tirée en arrière. Le quatrième, quant à lui, s'écroula au sol, une hache plantée dans la tête. Cassandra arbora un grand sourire. Visiblement, elle n'était plus seule face aux policiers. Le conducteur du fourgon parvint à s'extraire du véhicule en grimpant par la porte conducteur et fit face à Shade en sortant un pistolet semi-automatique.
Celle-ci avait espéré que les flics n'auraient à leur disposition que du matériel anti-émeute, mais cela ne changea pas grand-chose. Le policier n'eut en effet pas le temps de tirer, car Shade, plus rapide, avait visé avec le pistolet à clous et lui en avait planté un dans... et lui en avait planté un en plein œil. L'homme lâcha son arme dans un cri de douleur et retomba à l'intérieur du camion. Shade profita du répit pour tendre son pistolet à clous à Sikkil et l'échangea contre la scie circulaire. Elle entreprit ensuite, à son tour, de grimper vers la portière conducteur pour s'engouffrer dans la camionnette. Il y eut un moment de stupeur lorsque Morgue entra à l'arrière du fourgon. Elle en profita pour donner un violent coup de masse au flic qui avait matraqué Cassandra, mais parut un peu déçue du résultat. La masse était un peu trop grande pour être maniée confortablement dans un espace clos. Morgue décida donc de se rabattre vers la hache, qui gisait toujours là où elle l'avait lancée. Pendant ce temps, Cassandra attrapa le montant du flic qu'elle étranglait avec ses menottes et qui se débattait toujours. Elle tira d'un coup sec et entendit un craquement, et le policier arrêta de bouger. Elle se tourna pour regarder où en était son amante. Morgue dut forcer pour dégager la hache du crâne, et un des deux policiers qui tenait encore debout en profita pour lui tirer dessus avec un flashball qui lui flingua ses lunettes de soleil. Visiblement irrité, Morgue le repoussa de sa main libre contre l'arrière de la camionnette, puis se servit de sa hache pour lui arracher le lanceur de balles de défense, ainsi qu'une partie de l'avant-bras au passage. Le coup suivant lui ouvrit la gorge et le policier s'écroula, mort. À l'avant du camion, Cassandra entendit un bruit métallique strident et des hurlements. Elle ne s'en préoccupa pas et regarda plutôt le dernier policier qui se tenait toujours debout. Ah, petite. J'ai complètement perdu où j'étais. À l'avant du camion, Cassandra entendit un bruit métallique strident et des hurlements. Elle ne s'en préoccupa pas et regarda plutôt le dernier policier qui se tenait toujours debout. Celui-ci avait sorti un pistolet qu'il braquait sur Morgue. Ne bougez plus, ordonna-t-il. Sa voix semblait peu assurée. En face de lui, Morgue retira ses lunettes de soleil abîmées, puis son foulard, et lui fit un sourire dévoilant ses canines de vampire. Fais gaffe, lui dit-elle, tu pourrais te blesser. Il y eut une détonation qui provenait de derrière Cassandra et le policier hurla, la main transpercée par un clou. Son pistolet tomba au sol et la hache de Morgue se planta dans son crâne. Cassandra se retourna pour voir qui avait tiré et eut la surprise de voir que c'était son ami Sikkil. Et encore une petite faute, donc je vais encore faire une correction en direct. Enfin, en direct, vous n'allez pas le voir en direct. Je croyais que tu détestais la violence, lui demanda-t-elle. Sikkil réajusta son nœud de cravate et lui fit un petit sourire. La violence, c'est avec des armes. Avec des outils, je vois plus ça comme du bricolage. Le seul policier encore vivant était celui qui s'était pris un coup de masse. Allongé sur le sol, il montrait ses mains. Ne me tuez pas, implora-t-il, j'ai une famille. Morgue le regarda, étonné. Si je comptais laisser des témoins, répliqua-t-elle, pourquoi j'aurais montré mon visage? Laisse-le-moi, fit Cassandra. Elle ramassa le flashball, puis décrocha la main coupée qui le tenait toujours. Elle s'approcha du policier survivant. C'était celui qui avait trouvé sa carte d'identité et avait été tout fier de montrer à ses connards de collègues que son état civil ne correspondait pas à son apparence. Elle plaça le canon de l'arme sur le visage du policier. T'inquiète pas, il paraît que c'est merde son nom létal. Elle allait appuyer sur la détente, mais Sikkil lui fit un grand geste avec ses mains. Arrête, ça ne fait pas partie du plan. Cassandra haussa les épaules et écarta l'arme, un peu déçue. C'est ton jour de chance, fit-elle au policier. À l'avant du camion, les bruits s'étaient arrêtés, et Shade fit un peu de gymnastique pour rejoindre ses amis à l'arrière. Elle aperçut le policier toujours vivant et tendit sa scie électrique à Cassandra. Il faut que ça fasse bricolage, lui dit-elle. Je t'expliquerai plus tard. Cassandra attrapa la scie avec un sourire sadique, puis se tourna à nouveau vers le policier, qui la regardait avec un air horrifié. Tu sais, demanda-t-elle dans les films, quand quelqu'un croit que c'est son jour de chance, ça ne se termine jamais bien pour lui. À l'extérieur de la fourgonnette, Shade attendait que Cassandra récupère tout ce qui pouvait l'identifier et que Morgue se protège à nouveau de la lumière du jour. Elle était plutôt satisfaite de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Lorsque Cassandra avait été arrêtée, lorsque Morgue lui avait appris qu'elle avait un revolver sur elle, elle avait dû trouver un plan en quatrième vitesse. Elle avait eu cette idée de se fournir dans un magasin de bricolage en modifiant son apparence pour qu'on ne puisse pas les identifier.
Les policiers chercheraient un homme ou un groupe d'hommes. Leur petit groupe de lesbiennes ne serait donc pas inquiété. Elle avait craint un moment que les policiers aient eu le temps de communiquer l'identité de Cassandra, mais heureusement, ils avaient préféré faire des blagues misogynes et transphobes. Et il y a encore une petite erreur. Le groupe de lesbiennes ne serait pas inquiété. C'est le groupe qui ne serait pas inquiété. Donc il faut régler l'accord. Voilà. On trouve toujours des fautes, hein. C'est dramatique. C'est pour ça que les lectures, c'est bien. Tac-tac-tac, voilà. Shade s'approcha de Fabienne, qui avait ouvert les vannes de sa citerne d'essence. Ce n'était pas le bon moment pour s'allumer une cigarette. Tu es au clair sur ce que tu dois raconter à la police? Je me suis fait braquer par un type cagoulé, je n'ai rien pu faire, il avait une arme, j'ai bien été obligé de conduire le camion. Il m'a foutu une cagoule sur la gueule et m'a relâché. Quand j'ai vu l'explosion, j'ai accouru en espérant que ce n'était pas le mien qui brûlait. Shade hocha la tête, satisfaite. Tu penses que ça va exploser? Demanda-t-elle. Fabienne regarda la quantité d'essence qui se déversait de la citerne et se répandait vers le fourgon. Je serais déçu dans le cas contraire. Ça t'embête pas pour ton camion? C'est celui de mon patron. Je pouvais pas me foutre en grève parce que je suis encore en période d'essai. Disons que c'est ma façon de participer au mouvement. D'accord, tu devrais y aller, on s'occupe du reste. Fabienne lui fit un petit signe de la tête, puis s'écarta à travers un terrain vague. Elle reviendrait dans quelques minutes expliquer aux pompiers qu'on lui avait volé son camion. Pendant que Shade voyait les derniers détails avec Fabienne, ses trois amis s'étaient installés dans un Porsche. Shade décida qu'il était temps de les rejoindre et de mettre les voiles. Avant de s'installer au volant, elle jeta un coup d'œil à Morgue, qui s'était assise à l'arrière, laissant la place de devant à Cassandra. Shade constata sans surprise que la vampire s'était déjà rallumée une cigarette. Passe-moi ta clope. Morgue tira une dernière fois dessus, puis la lui tendit. Shade la jeta en direction du fourgon. Elle estimait que cela aurait dû allumer la tonne d'essence répandue par terre. Cela aurait été juste, cela aurait été beau. Malheureusement, le monde réel se révélant souvent tristement plus qu'imparfait, le mégot se contenta de s'éteindre misérablement lorsqu'il plongea dans l'essence. Shade poussa un soupir d'exaspération. Elle sortit de la voiture en préférant quelques jurons en américain, puis sortit un briquet d'une poche de son blouson. Elle s'agenouilla à côté de l'essence et dut reculer précipitamment lorsque les flammes partirent. Shade se précipita à nouveau au volant de la Porsche, puis donna un grand coup d'accélérateur pour s'écarter au plus vite de l'incendie. Malgré ce petit couac, je dirais que ça s'est bien passé. Derrière elle, le fourgon de police se mit à brûler. Ouais, fit Morgue, on a réussi à faire profil bas. Comme l'avait prévu Fabienne, le camion-citerne explosa. Par contre, ajouta la vampire, la prochaine fois, prenez une voiture où on est moins serré à l'arrière. Vous ne trouvez pas que c'était un peu excessif de venir me chercher? Demanda Cassandra. Je veux dire, je n'avais rien d'incriminant sur moi. Je risquais juste une garde à vue. Il y eut un moment de silence, si on pouvait qualifier de silence le bruit que faisait le moteur de la voiture de sport. Tu n'avais pas de revolver? Demanda Shade. Morgue m'a dit que tu avais un revolver. Non. Tu n'aimes pas celui que je t'ai offert? Demanda Morgue. Elle semblait blessée par la révélation. Je ne pensais pas que venir avec un flingue en manifestation rentrait dans la définition de faire profil bas, répliqua Cassandra. Morgue s'alluma une nouvelle cigarette, boudeuse. Je trouve que tu as une définition bien rigide et normative du profil bas. Donc, récapitula Shade, on a fait tout ça pour rien. Oh non, protesta Cassandra. C'était des trous-dus que le monde se portera mieux sans eux. Mais peut-être que c'était légèrement excessif. Nouveau silence. Cassandra attrapa la main de Morgue et lui fit un petit sourire. J'aime beaucoup le revolver que tu m'as offert. C'est juste que je ne voulais pas qu'on me le confisque. Je ne voudrais pas faire la rabat-joie, protesta Shade, mais je trouve que ça risque de créer bien des emmerdes pour un quiproquo sur un cadeau entre amoureuses. Non, intervint Sikil. Je pense que c'était un bon plan. On se débarrasse des outils et de la voiture, et ils ne remonteront jamais jusqu'à nous. Quand même, j'ai peur de l'impact médiatique que ça pourrait avoir. Oh, ne t'en fais pas, répliqua Cassandra. Ça va, ce n'est pas comme si on avait cramé la Porsche après tout. Voilà, voilà, c'était Dyke versus Bastards. Vous pouvez trouver d'autres aventures de Cassandra, Sikkil, Shade et Morgue dans une autobiographie transsexuelle avec des vampires. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je commence à avoir à saturer un peu de la voix, on va dire. Là, j'avais un peu du mal sur la fin, j'avais l'impression que
ne savait plus trop ce que je racontais, etc. Donc voilà, merci aux personnes qui sont venues sur le stream. Et puis peut-être à bientôt, peut-être un de ces quatre si je refais une expérience de ce genre. Et puis voilà. Donc moi je vais aller manger. J'espère que vous allez manger aussi. Non, en fait je m'en fous, mais en général c'est bien de manger, c'est cool. Voilà, ciao ciao et puis à bientôt. De rien, on bord et puis voilà, ciao. Merci à tout le monde d'être passé. Et voilà, je sais que normalement les gens qui font des streams et des trucs sur YouTube, ils sont censés avoir un signe. Donc je sais pas, genre, ah oui, je préfère. Voilà, ciao.